Abou Diallo est le nouveau président du syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire. Après le décès du président fondateur Feu Yahya Fofana, le syndicat a connu plusieurs présidents. Le jeudi 18 mai dernier a eu lieu à l'auditorium du Plateau le premier congrès extraordinaire exécutif électif du syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire en vue de mettre un nouveau bureau en place. Après avoir rempli les conditions, le candidat unique à l'élection, Abou Diallo, a été élu par acclamation. Et c'est avec un tonnerre d'applaudissements que tous les congressistes ont montré leur approbation face à l'Assemblée. Nous avons décidé d'organiser un congrès extraordinaire électif pour une première fois au sein de notre syndicat. Nous avons élu M. Abou Diallo, mais c'est l'homme qu'il faut. C'est l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut. Il est le meilleur, il a beaucoup d'expérience et puis c'est un meneur. Parce qu'il ne peut pas être à la tête d'une organisation sans vraiment être un meneur, un encaisseur, un homme qui sait pardonner. Et Abou, c'est vraiment celui qu'il fallait choisir. Et il est là pour 5 ans et je sais que dans les 5 ans, on ne va pas regretter son élection. Le nouveau président a décidé de reconduire le bureau actuel. C'est donc avec les mêmes membres qu'il compte collaborer durant son mandat de 5 ans.